À l'occasion du festival Série Mania qui s'est tenu fin mars à Lille, Téléstar a pu rencontrer l'acteur Samuel Le Bihan pour le questionner sur son rôle dans la fiction Alex Hugo, diffusée depuis plusieurs années sur France Télévisions. Au cours de la discussion, l'acteur breton a notamment parlé d'une des journées de tournage les plus difficiles pour Alex Hugo. Il y a eu une journée très dure où on était en haute montagne, dans une scène d'escalade, et il s'est mis à pleuvoir. Une pluie d'orage, toute une journée, glacée, à grosses gouttes, très dense, très intense, en extérieur avec toute l'équipe dehors et ça a été épuisant pour tout le monde, se rappelle-t-il. Un moment particulièrement compliqué, mais qui fait partie du métier et lors duquel tous doivent se serrer les coudes. Si est-ce ces moments qui soudent l'équipe, parce qu'on sait qu'on travaille tous ensemble, a expliqué Samuel Le Bihan, avant de revenir sur un autre souvenir de tournage éprouvant. Un autre jour, on était à plus de 3000 mètres d'altitude sur des glaciers. Dans ces cas-là, on manque d'oxygène, les trajets sont très longs. Plusieurs personnes ont dû redescendre parce qu'elles avaient des vomissements, leur corps n'y arrivait pas à cause du mal d'altitude. Pour autant, ce genre de conditions extrêmes de tournage n'est pas sans plaire à Samuel Le Bihan. On est loin de tout, en plein montage là où le glacier fait des crevasses de plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Si est-il dangereux mais si est-il magnifique, explique-t-il. Samuel Le Bihan, Alex Hugo, ça se mérite, les décors à couper le souffle font partie du charme d'Alex Hugo, qui permet à ses téléspectateurs de respirer un grand coup grâce aux efforts de toute l'équipe derrière la production de la série. Il faut beaucoup de temps pour aller sur le décor, très longtemps pour en repartir. Il faut être patient et engagé, si est-il des moments forts. Alex Hugo, ça se gagne, ce n'est jamais gratuit, résume Samuel Le Bihan. Et si, grâce à la série, l'acteur a déjà pu découvrir des endroits somptueux, il continue d'espérer qu'Alex Hugo l'emmènera sur un autre lieu de tournage qu'il adore, la vallée de la Clarée. Si est-il un endroit complètement préservé et naturel, et si est-il d'une beauté incroyable. Si est-il un des plus beaux endroits de la Terre.